répondre à certains qui disent « Ouais, mais l'art, c'est cher !» Oui, parce que le matériel d'art coûte cher. Par exemple, là, je reviens des courses et j'en ai eu pour 130 euros. Qu'est-ce qu'on a? Quelques petites bombes de peinture, voilà, elles sont là. Des feutres, parce que bah finalement, les miens étaient vides, comme les Posca. Voilà, ça se finit trop rapidement, ça! Quelques petits pinceaux. Et un tableau. Ça, c'est pour une future exposition. Stay tuned. Ah oui, et puis vu que j'ai dépensé plus de 100 euros, on m'a offert un petit pack de pinceaux. Ah bah merci, il fallait pas. Oh, mais t'es mal à la taille du ticket de caisse, quoi. C'est n'importe quoi. Regardez. 106 euros. C'est pour tout ce bordel ici, plus le tableau. Sauf qu'ils avaient pas ce genre de bombe de peinture très spéciale avec des couleurs transparentes. Donc bam! 16 euros de plus. Oui, c'est vrai, l'art ça coûte cher. Mais faut penser qu'à chaque fois que vous achetez une œuvre à un artiste, eh bah lui, il doit payer tout ce bordel. Voilà, c'est plus possible la coupe de cheveux.